Eh bien, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à nouveau. Vous avez vu qu'avec beaucoup de bonne volonté, mais avec un certain décalage, les 50 000 personnes qui remplissent le Parc des Princes ce soir ont entonné la Marseillaise. Et il faut dire que l'équipe de France va disputer ce match de Coupe du Monde contre la République d'Irlande dans un stade tout acquis à sa cause. Et c'est une bonne chose. Je crois que c'est une chose que l'on n'avait pas vue depuis fort longtemps. Un Parc des Princes bouillant comme un œuf pour un match de football international. Un Parc des Princes pour l'équipe de France. Vous avez vu apparaître, grâce aux caméras de René Lucot, la composition des deux équipes. Inutile de vous dire qu'il n'y a aucun changement. Peut-être René Lucot pourrait-il nous présenter à nouveau la composition de l'équipe irlandaise qui a son importance. Avec Kearns dans les buts, le numéro 1. En ligne arrière, de droite à gauche, Mulligan, numéro 2. O'Leary, numéro 5. Martin, numéro 4. Et Holmes, numéro 5. La voici, cette équipe. Au milieu du terrain, Brady, Daly et Giles. Giles, le capitaine, le sélectionneur, l'entraîneur et le meneur de jeu. Et les trois attaquants de pointe, Stapleton, Highway et Givens. Mais Bernard, alors que le public réserve un triomphe à l'équipe de France, je crois qu'il faut le dire et le répéter, l'équipe de France ne pouvait rêver un meilleur stade pour ce match capital pour son avenir. C'est certain, l'engouement créé peut-être par l'équipe stéphanoise pour un renouveau du football se manifeste pour l'équipe de France et c'est tant mieux. Certainement que les téléspectateurs étaient nombreux devant leur écran pour suivre le match disputé par l'équipe de France à Sofia. Tout le monde a vu que cette équipe de France avait beaucoup de bonne volonté, beaucoup de talent, que cette équipe de France avait une chance d'aller en Coupe du Monde. Il fallait l'entourer, cette équipe de France. Et c'est peut-être pour cela que le Parc des Princes a été loué en 3 jours. Pas de problème, donc un Parc des Princes archi-comble pour l'équipe de France avec des supporters irlandais qui ont fait le voyage, qui sont dans les coins et qui eux aussi font beaucoup de bruit. Ils ont sorti les drapeaux, donc... L'ambiance des grands soirs pour le Parc des Princes, une pelouse impeccable malgré la pluie de ces jours derniers. Et au centre du terrain, donc, les deux capitaines, Marius Trésor et Giles. Giles qui est très certainement, comme vous le disiez, un cas unique, sélectionneur, entraîneur, capitaine et meneur de jeu de cette équipe irlandaise qui est bâtie par des joueurs venus d'un peu partout du championnat d'Angleterre. Quand on a vu cet après-midi, nous qui avons été des téléspectateurs privilégiés, le match Italie-Angleterre, Thierry, on peut être assez confiant, si on en juge par la prestation de l'équipe d'Angleterre, qui était quand même assez faible face à l'équipe italienne. Oui, ça c'est vrai qu'on n'a pas reconnu l'équipe d'Angleterre cet après-midi. Nous avions vu la semaine passée aussi, car nous avons beaucoup de chance à la télévision, le match entre l'autre Irlande et la Belgique, que la Belgique avait gagné par 2-0. Et nous avions vu une équipe d'Irlande assez moyenne, il faut bien le dire. L'équipe d'Angleterre cet après-midi nous a paru, et c'est une cruelle constatation pour tous ceux qui aiment le football anglais, assez triste. Eh bien, nous allons voir ce que vaut cette troisième équipe britannique, l'équipe irlandaise, formée de joueurs qui disputent tous le championnat d'Angleterre de première division, à l'image de Johnny Giles, qui est le meneur de jeu de West Bromwich Albion. L'arbitre de ce match est un Yougoslave, monsieur Maksimovic, assisté de 2 juges de touche yougoslaves, messieurs Manojlovski et messieurs Iti Jarevic. Les Irlandais à gauche, tous de vert vêtus, maillot vert, culotte verte, bas vert. Les Français à droite, maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. Il s'agit du deuxième match comptant pour la Coupe du Monde, le premier ayant été ce mémorable match de Sofia. Une longue balle en avant pour Stapleton. Stapleton qui est arrêté par le coup de sifflet de l'arbitre qu'il avait signalé en position de hors-jeu, signalé du reste par son juge de touche. Premier ballon dans les mains de Baratelli. Un match certainement très tendu et vous vous en souvenez sans doute, lors de la dernière Coupe du Monde, la France était déjà dans le même groupe que l'ER et l'Union Soviétique et l'ER avait fait match nul ici au Parc des Princes, 1-0. Daly aux prises avec Platini. Platini, Lacombe, Six. Débordement. O'Leary de la tête. Platini. Kérusoré qui touche son premier ballon d'international.
Battener. Platini. Rocheteau. Et premier corner de la partie concédé par l'arrière gauche Holmes. Et une équipe de France qui a l'air de vouloir prendre le match en main, pas de round d'observation. Une équipe de France tout de suite offensive. Il faut absolument qu'elle gagne cette rencontre si elle veut continuer pour cette Coupe du Monde. Et pour l'instant, donc un bon début avec Six qui tire ce corner. Du pied gauche. Dégagement de la tête irlandais. Bossis court sur ce ballon. Stapleton aussi. Attention, contre-attaque irlandaise. Givens. Calme le jeu, Givens. Giles. Brady. Martin. Attention à Givens. Aux prises avec Bossis. Givens, qui est un des redoutables marqueurs de but du championnat d'Angleterre de première division. Il joue dans la bonne équipe de Queen's Park Rangers. Rocheteau. Janvion. Platini. Lopez. Sur la droite, une balle un peu trop forte pour Kyrusoré. Sur l'attaque irlandaise, tout à l'heure, on a vu un milieu de terrain français qui avait l'air d'avoir du mal à trouver sa position pour marquer le milieu de terrain irlandais. J'espère que les Français vont pouvoir résoudre le problème assez rapidement avec Mellegan ici qui emmène une contre-attaque pour les Irlandais. Martin. O'Leary. Holmes, Martin, Platini, Lacombe, Platini, Rocheteau. Kyrusoré, Platini sur l'aile droite là-bas, tente le grand pont. Centre trop fort malheureusement, mais la balle n'est pas perdue, Battenay. Ah non, sur les balles hautes, là, il sera difficile à battre, monsieur Cairns. Il faudrait tirer à ras de terre, mais la première constatation, c'est que balle au pied, on peut les passer, ces Irlandais. Et là, pour Rocheteau, pour Platini, pour Six, c'est un bon enseignement pour Lacombe aussi, bien sûr. Brady. Brady, toujours. Stapleton. Martin. O'Leary se heurte à Six. Ils ont une bonne vitalité, ces Irlandais. Balle en profondeur. Martin est là. Lacombe aussi était là. Mais c'est le gardien Mike Kearns. Rocky Hidalgo aussi, allez, avec Rocheteau, là, dit aux Français de passer par le centre. Rocheteau, la charnière centrale n'a pas l'air d'être bonne. Tire du pied gauche. Cette charnière centrale qui avait paru assez faible à Michel Hidalgo quand il avait vu les Irlandais en Turquie. Et c'est peut-être une des solutions de cette rencontre, passer par le centre. Trésor, qui touche lui aussi son premier ballon. Battenay. Platini. Rocheteau, on serre beaucoup des bras du côté irlandais. Janvion, Battenay. Balle pour Six. Le corner. Non, une faute de Six au préalable. Décide l'arbitre, monsieur Maximovic. Et un coup franc en faveur des Irlandais qui va leur permettre de se dégager. Déjà 6 minutes que l'on joue dans cette partie. Au Parc des Princes, 0-0, bien entendu. Pour ceux d'entre vous qui prennent cette retransmission avec un court instant de retard. Mulligan.
Daly avait tenté de passer Trésor, mais Trésor, on le passe très difficilement, balle au pied. Gilles fait même les remises en jeu. Daly, Gilles. Daly aux prises avec Trésor. Bonne intervention de Marius Trésor et touche pour l'Irlande. Les Irlandais visiblement venus à Paris pour tenter d'obtenir le partage des points. C'est leur premier match dans ce groupe de Coupe du Monde. Centre de Giles et sortie de Baratelli avec une faute sifflée contre le numéro 8 irlandais Stapleton. Une faute sur Baratelli. Pour l'instant, pas beaucoup de rythme quand même dans cette rencontre. Notamment du côté irlandais, on a l'impression de vouloir calmer le jeu. Les Français devraient en tout cas essayer de l'accélérer. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc pour la France dans le rond central. Lopez, Vatenay, Platini. Périsoré. Lopez cherche la faille, Rocheteau. Une touche concédée par Brady, le numéro 6, effectuée par Rocheteau. Bien joué, Platini. Ah, il a cherché la combe, a trouvé la tête de Brady. C'était très bien joué. Ballon toujours français. Lopez. Périsoré, Lopez. Rocheteau. Ah, Rocheteau qui a fait deux bons dribbles mais qui n'a pu réussir le troisième. Giles. Givens. Highway. Donne derrière lui à son arrière droit Mulligan. On annonce la couleur en tout cas côté irlandais. C'est reparti du côté de Holmes. Brady. Holmes. Marius Trésor. Et une touche irlandaise. Il ne faut absolument pas que les Français se laissent endormir par le faux rythme des Irlandais pour l'instant. Qui veulent conserver ce ballon, essayer de créer des brèches dans la défense française et très certainement chercher les têtes soit de Given, soit de Highway, soit de Stapleton, les trois attaquants de pointe. Encore que pour l'instant, ils ne laisseraient que Stapleton, le jeune attaquant d'Arsenal, à la pointe du combat. Giles. O'Leary. Ballon français, Vatenay sur la gauche pour Périsoré, poursuivi ici par Givens. Rocheteau, à qui la touche? Non, aux Irlandais, a dit le juge de touche. Giles. Giles qui fête aujourd'hui sa 46e sélection, c'est le record absolu pour un international de football irlandais. Giles du pied droit en direction de Stapleton, Givens. Attention à celui-là. Aux prises avec Jambion, là, ici, centre. Un coup de tête de Daly et un coup de sifflet de l'arbitre. Un coup franc qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. C'est appuyé sur une épaule française, monsieur Daly, ce qui est strictement interdit. Vous voyez quand même que ces contre-attaques irlandaises illustraient parfaitement ce que vous disait Bernard à la minute. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de ces trois joueurs qui ne sont pas les premiers venus. Lacombe, Giles, Martin, Holmes, Givens, Holmes, cherche Stapleton. Stapleton qui s'appuie beaucoup. Oui, mais en ce moment, les Irlandais prennent confiance.
mènent des attaques qui peuvent être dangereuses, car de la tête, encore une fois, les Britanniques sont bien connus. Ils sont dangereux, il faut absolument essayer de prendre ce ballon, je sais que c'est difficile, essayer surtout d'accélérer le jeu. Oui, Platini, le ballon était derrière, Rocheteau. Lacombe, Six qui est venu aider Platini. Ah, il faut hausser le rythme, c'est certain. Six, Rocheteau, et ballon mis en touche par l'arrière central, Martin. Jean Vion a fait la remise en jeu. Ouais, un coup franc pour une faute sur Platini. Un coup franc à proximité, vous le voyez, de la ligne des 16 mètres ou des 18 yards si vous préférez, puisqu'il s'agit d'un match franco-britannique. Coup franc, bien entendu, tiré par Platini, Orfèvre en la matière, et bien entendu aussi, le mur n'est pas à 9 mètres. Oh, une sortie bille en tête du numéro 4, Martin. Et une faute de Lacombe. Lacombe qui tentait un retourné alors que Martin jouait ce ballon de la tête. Et tous les ballons, vous le voyez, qui passent par Giles. Stapleton de la tête. O'Leary. Giles. Daly, Mulligan. Oui, et c'est vrai. Ah, il le surveille là. Ça, il a repéré les fautes de Stapleton sur ses balles hautes. Et monsieur Maximovic, l'arbitre de la rencontre, là, les surveille de très près, ces Irlandais. Il a raison, car comme ils sont en plus grands que les Français, ils auront un double avantage. Et la taille et les fautes. Thierry Zoré, bien joué pour Six. Une faute sur Six qui passe quand même. Six toujours, centre du pied droit. Ballon qui n'est pas perdu. Rocheteau. Il y a du monde à la limite de la surface de réparation. Mais c'est les Irlandais qui se dégagent par leur numéro 6, Brady Holmes. Un peu d'énervement quand même dans cette attaque française là. Highway. Oui. Une faute de Batney sur Highway. Highway qui joue à Liverpool, qui est actuellement qualifié en Coupe d'Europe et qui est en tête du championnat d'Angleterre. Giles. Holmes. Brady. Giles. Marius Trésor, Kérus Auré, bousculé, poussé dans le dos, l'arbitre laisse jouer car les Bleus, c'est-à-dire les Français, ont toujours le ballon. Jean Vion. Ah, il a donné la balle dans le dos. C'était dangereux, mais les Français se sont bien repris. Platini, longue balle en avant pour Lacombe. Et la balle sort pour les Français. Didier Six, le Valenciennois, fait la remise en jeu. Lacombe. Ah, bien joué. Encore une touche, c'est dommage. L'action de Lacombe était fort bien jouée. Six a fait la remise en jeu. Ouais. Bien arbitré, oui, oui, il y a pied en avant de Rocheteau. De Dominique Rocheteau, c'est tout à fait exact. Giles. On change de côté, on part du côté de Holmes, le numéro 3. Brady. Giles. O'Leary. Daly. Mulligan. Tête de Marius Trésor. Bossis. Six. Avec les Irlandais mordent sur tous les ballons. C'est le football typique de ce pays. Ils essayent de
prendre à la gorge les Français, de les empêcher de prendre ce ballon. Et pour l'instant, ils y réussissent assez bien. Là, une faute sur Platini. Oh oui, Platini! Ah, c'est dommage que l'arbitre ait sifflé là, parce qu'il avait fait vraiment un exploit technique. Il avait évité trois Irlandais malgré des charges dans le dos. Et Six part maintenant. Oui, sur cette balle de Rocheteau, centre à effet de Six. Holmes, ballon toujours français, Jean Vion. Rocheteau. Non, la balle n'est pas sortie. Et elle termine sa course dans les mains de Kearns. L'immense, j'allais dire, gardien de but irlandais, puisqu'il mesure 1m87. 18e minute de jeu déjà. Et toujours rien de marqué. Et aucune tentative de but, ni d'un côté, ni de l'autre. O'Leary. Déborde Lopez. Et centre derrière le but de Baratelli. Ah, ça ne sera pas commode, hein, Bernard. Équipe irlandaise, elle est dure à manier. Oui, ça ne sera pas commode, d'autant que cette équipe de France ne joue pas assez vite. Vous me direz qu'on est quand même en début de match, que les Français se méfient un peu des Irlandais. J'ai l'impression qu'ils pensaient que les Irlandais attaqueraient beaucoup plus vite la rencontre, qu'ils ne joueraient pas de cette manière. Et finalement, là, les Français ont quelques problèmes d'organisation, semble-t-il. Espérons qu'ils vont les résoudre assez vite. Une touche là, concédée par Jean Vion, et favorable aux Irlandais. Holmes. Brady. Giles. Et un tir du pied droit, ballon pratiquement arrêté de Martin, le numéro 4. Mais la balle passe nettement à côté du but de Baratelli. C'est en tout cas le premier tir de la partie. Il a fallu attendre près de 20 minutes pour y arriver. Lopez. Il est certain que si les Français marquaient un but, ils seraient beaucoup plus décontractés dans cette partie. Enfin, il faut le marquer, ce but. Et pour l'instant, ils ne se sont guère mis en position de tir au but. Et là, la combe a bien des problèmes. Et je crois que les Français ont tort de vouloir centrer absolument en hauteur pour la combe, car il a bien du mal avec ses arrières centraux qui sont nettement plus grands que lui. Ballon pour Rocheteau. Et touche concédée par l'arrière central David O'Leary, qui lui aussi joue à Arsenal. Kérusoré. Giles, dépossédé du ballon. On manque un peu de vivacité à 36 ans, c'est un peu normal. Six. Ah, qui prend Rocheteau complètement à contre-pied. Là, Giles s'est bien repris. Giles à nouveau, dépossédé par Batney. Giles encore, vous voyez comme il accroche. À trois reprises, il a perdu le ballon. À trois reprises, il l'a récupéré. Givens. Ah, Kérusoré direct dans les pieds de Brady. Numéro 6. Tir de Brady. Ouh là là, arrêt en deux temps. Ce tir-là, il était bon. Voilà le premier bon tir de la partie. Il est apporté au crédit des Irlandais et du numéro 6, Brady. Une faute de la combe, dit l'arbitre, qui s'est baissé. Ce qui a eu pour effet de faire passer Martin. Non. Martin ayant appuyé sur son dos, n'avait pas semblé du reste que Lacombe s'était baissé beaucoup. Kérusoré. Peut-être tout seul, Kérusoré. Lacombe redonne à Kérusoré. Et voilà, un bon centre de Kérusoré et une belle parade de Kearns. Bâtonnet. À ras de terre, le centre aurait été meilleur. J'ai l'impression qu'il ne faut absolument pas taper en hauteur avec ce gardien. Jean Vion, Platini. Bien joué là-bas pour Rocheteau. Six. Kérusoré. Platini. Ouais, Platini un petit peu fort. Il a raté son tir, je crois. Je crois qu'il voulait faire ce qu'il a fait là. Enfin, la balle, en tout cas, est passée nettement à côté du but irlandais. Mais la solution pour passer cette défense, c'est peut-être le 1-2. Là, vous avez vu, Lacombe et Kérusoré ont remarquablement combiné. Et cela a occasionné une situation très dangereuse devant les buts de Kearns.
avec un centre ras de terre, peut-être que la défense irlandaise l'aurait cédé. Givens. Holmes. Stapleton. Que Bossis suit comme son ombre là-bas. Brady. Stapleton. Highway, centre, attention, et Battenay en corner. Il a bien fait Battenay car Daly était là. Et c'est le premier corner en tout cas en faveur des Irlandais. Joué aussi par Giles, mais décidément il fait absolument tout dans cette équipe. Mulligan et coup de tête bien joué de Stapleton au point de pénalty. La balle passant au-dessus. Nous voyons cette action du reste, regardez. Là, toute la défense française est battue, il est tout seul au point de pénalty, il avait tout son temps. Et heureusement pour les Français, il met la balle au-dessus. Mais on peut dire que les actions les plus dangereuses ont été irlandaises pour l'instant. C'est assez inattendu tout de même, on s'attendait à voir l'équipe de France prendre le match. Elle ne le subit pas, mais elle concède des périodes dangereuses tout de même. Jean Vion, Kérusoré. Ah non, interception, Daly. Giles, Mulligan, Martin, Holmes, Giles, Holmes, Daly, Highway, ouais, une faute de Jean Vion. Une faute de Jean Vion et Highway. Pas satisfait du tout du traitement de Jean Vion. On n'en parle plus. Daly. Dégagement, trésor. Martin remet. Highway. Brady. Vers le ballon. Ils ont eu de la chance, les Français, là, que Daly tombe. Car sinon, leur tour risquait de le perdre. Lacombe. Lopez. Rocheteau. Rocheteau. Et bien revenu, Holmes qui met en touche. Rocheteau fait leur mise en jeu. Platini. Platini. Ouh là, heureusement qu'il a mis au corner là. Parce que la courbe était là, bien. C'est bien vu. Corner pour l'équipe de France. On est passé vite d'un but à l'autre. Et on joue la 25e minute de la partie. Et Trésor est venu pour le corner, car on manque de gabarit dans les 18 mètres. Rocheteau. Oui, je crois qu'il y a une faute de Trésor que M. Maksimović a vu. Il a poussé un petit peu, il a frayé le chemin un petit peu, Trésor pour Jean Vion qui était là aussi. Mulligan. Tête de Bossis. Kérusoré. Ouais, c'est mieux, hein. Les Irlandais. Brady. Brady qui tire à ras de terre, encore une fois. Un bon tir. Et bien arrêté par Baratelli. Givens devant lui. Trésor. Notre milieu de terrain a bien des problèmes. Il n'arrive pas à s'imposer face au milieu de terrain irlandais qui est en plus grand nombre. Et pour l'instant, les Français n'ont pas encore trouvé la mesure de ce milieu de terrain. Ils n'arrivent pas à s'imposer. Et c'est là que vient tout le mal, je crois. Trésor. Battenay. Rocheteau. Holmes. Brady.
Dangereux ce numéro 6, Brady. Cherche la tête de Givens. Et un coup de sifflet de l'arbitre. Les Français ont du mal, hein, Bernard, à rentrer dans ce match. Hein. Absolument, je vous dis. Moi, je crois que c'est tout part du milieu de terrain qui n'arrive pas à poser le jeu. Platini est un peu seul. Vatney a un rôle défensif. Et Kéry Jurey a quand même du mal, lui, à rentrer dans ce match. C'est sa première sélection. Ceci explique un peu cela. Et pour l'instant, il semble un peu dépassé. Mais un but libérerait tout le monde. Mais pour l'instant, ce sont les Irlandais qui le méritent, ce but. Platini, peut-être. Platini qui a hésité à jouer ce ballon de la tête. Kéry Jurey récupère, donne à Vatney. Vatney a mis la balle sur son pied gauche, cherche Platini, mais dans son dos. Oui, mais ça s'attaque un ballon quand même. C'est reparti du côté irlandais. Milligan, Giles. Daly, Giles. Giles qui cherche le coup franc que l'arbitre ne lui donne pas. Platini. Platini qui l'a effauché par contre et qui se tient les reins. Est-ce qu'il s'est fait marcher dessus au passage. Bossis, relais Platini, Vatney, Lopez ou Janvion plutôt. Lopez. Redonne Janvion. On se souvient là que c'est un ancien ailier. Kéry Jurey. Pour la tête de Six, bousculé. Ballon français encore, Kéry Jurey. Et cette fois-ci, ce sont les Irlandais. Giles. Mulligan. Les Français ne passeront pas en essayant des centres à hauteur. Ça, je ne le crois pas. Et pourtant, il s'acharne avec cette tactique, c'est curieux. Vatney. Re-Vatney. Brady. Ballon irlandais, toujours. Mulligan. Highway. Highway. Il y a eu deux comptes favorables, mais pas le troisième. Six. Six. Ballon à l'avantage des Français, l'arbitre ne siffle pas. Six. Platini, Vatney sur le pied gauche, Platini, 20 mètres du but, Six, faudrait tirer, jeunes gens, faudrait voilà. Tirer. Mais on n'y arrive pas. Holtz. Givens, bousculé. Ah, ils sont pas commodes les Irlandais, hein. Dès qu'il se relève, quand il y a eu un contact, ça nous rappelle ce superbe film qui était L'Homme tranquille. Vous vous souvenez, John Wayne, Maureen O'Hara, Daly, Martin, Holmes. Holmes. Oh, bien passé, Holmes. Attention à Highway, centre en retrait, dégagement, Janvion, Platini, Kéry Jurey, dépossédé du ballon, Rocheteau récupère. Kéry Jurey. Six. Six, bien joué. Platini. Vatney. Et un appui de Vatney jugé irrégulier par monsieur Maksimović. Qui est jusqu'à présent excellent, monsieur Maksimović. Il voit absolument tout, il ne se laisse pas faire par le cinéma des uns et des autres. Mais pour l'équipe de France, ça va un peu moins bien que pour l'arbitre, à mon avis. Mulligan. Ils n'attaquent pas les ballons, les Français. C'est incroyable, ça, depuis le début de la partie.
On a l'impression qu'il mène au score. Pourtant, il n'en est rien. Delhi fait la remise en jeu. Martin. O'Leary. Giles. Ouais. Claude sur Lopez, Lopez, oui. Stapleton et Lopez se livrent un duel assez pittoresque. C'est un peu la tactique des Britanniques qui essayent d'influencer, de prendre le dessus sur les défenseurs par tous les moyens. Mais avec les défenseurs français pour l'instant et avec les défenseurs stéphanois, ça ne marche absolument pas. Bossis, Vatenay, Six, Vatenay, Bossis, Bossis, cherche un soutien, Bossis, et obtient une touche. Bossis fait la remise en jeu lui-même, directement pour Lacombe, aux prises avec O'Leary, Mulligan, Lopez en touche. Giles. Lopez. Delhi. Martin. Holmes. Giles. Martin. Ah, c'est bien joué. Attention à ce numéro 6, Brady. Attention à Brady dans les 16 mètres. Et un tir à ras-de-terre de Givens. Oh là. Mais à côté, vous voyez que c'est l'équipe d'Irlandaise, incontestablement, qui se crée les plus dangereuses situations. Et là où était le milieu de terrain français, il était un peu perdu dans la nature. Et l'équipe de France a bien des problèmes. Sa défense subit tout le match. Les attaquants manquent de points d'appui pour l'instant. Et on perd beaucoup, beaucoup de ballons. Et dans 11 minutes, c'est la mi-temps. Toujours 0-0. Giles. Par contre, l'organisation du jeu irlandais est tout à fait remarquable. Encore Brady. Giles. Mulligan. Tir du pied gauche, Mulligan. Un tir d'arrière complètement raté. Mulligan, le numéro 2. Les tirs d'arrière, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ou ils passent à 30 mètres à côté du but, ou alors ils vont se loger pleine lucarne. Mais ça arrive. Lopez. Martin. O'Leary. Giles. Mulligan. Giles. Janvion. Bossis. Vatenay. Allez, il faut y aller. Platini pour Vatenay dans la surface de réparation, tête de O'Leary. Vous avez vu que personne ne suit derrière. Martin. Holmes. Givens. Brady. Giles. Bien joué de la part des Irlandais tout ça. Mulligan. Vient de faire 7-8 passes consécutives. Delhi. Mulligan, et ça continue, O'Leary. Brady, Delhi, hors-jeu. Il tire pour gagner quelques secondes, mais l'arbitre, M. Maksimovic, avait sifflé.
Juste, je les sens un peu mous, ces Français. J'ai pas l'impression qu'ils sont un peu absents par rapport à la partie qu'ils avaient fait à Sofia, c'est le jour et la nuit. Et pourtant, là, ils ont leur public. Je sais pas, c'est peut-être un peu ce qui les bloque. Faut croire qu'ils sont plus à l'aise sur terrain adverse. Bossis, Kérusoré. Six. Pour Rocheteau. Ah, mais Rocheteau, il est pris de vitesse par Martin. Et une bonne sortie de Kearns, qui prouve qu'il est pas mal aussi sur les balles basses, malgré ses 187 cm. Mais là, il avait le temps. Brady, Mulligan. Daly. O'Leary. Bâtonnet, Platini, Kérusoré. Kérusoré, Six. 3 contre 3. Allons-y. Six. Essaye d'y aller tout seul. Oh non. Ah non. Fallait se rapprocher. Là, des ballons comme ça. Kearns, il se régale. Giles. Holmes. Givens. Daly. Giles. Brady. Holmes. Oui, faute, première faute de Stapleton, encore une fois. Qui s'est aidé du coude. Et un coup franc pour Baratelli et pour l'équipe de France. Encore 7 minutes avant la mi-temps, toujours 0-0. Et une partie tout en demi-teinte de l'équipe de France. Faute de O'Leary. Le trésor n'a pas encore sonné la charge, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une seule contre-attaque. Dire qu'il ne sait pas, pour l'instant, il n'est pas très rassuré. Kérusoré. Six. Ouais, mais tous les Irlandais se sont replacés en défense. Bossis. Rocheteau. Kérusoré. Bossis. Bossis. Rocheteau. Six. Et voilà. Giles. Et une faute sur Giles de Lacombe. Il est mauvais comme la teigne, ce Giles. Il peut tirer les cheveux de Lacombe. Tous. Ah, ils sont pas irlandais pour rien. Givens. Ouf. Un beau raté de Jean Vion. Lopez est là en couverture. Ballon toujours irlandais. Holmes, Brady, Bâtonnet, Kérusoré. Derrière lui, Marius Trésor, Jean Vion, Rocheteau démarqué. Rocheteau. Eh non, corner. Non, sorti. Sorti. Dit l'arbitre. Le juge de touche était bien placé. Les Français réclament un corner. Regardez, on la revoit cette action. Stoke qui évite un adversaire. Et il va pousser son ballon. Oui, qui sort. Ah oui, pas de problème. Lopez. Brady. Kearns, Bâtonnet, Platini qui a donné le bonjour à Giles. Platini, non, rien du tout, dit l'arbitre. Par contre, il y a une faute de Lacombe, c'est bien arbitré, c'est vrai.
très très bien arbitré. Il n'y avait pas de faute sur Platini, contrairement à ce qu'il demande. Ah, Platini a cherché à obtenir un coup franc qui lui aurait été favorable. Le public a tort de siffler, c'est très bien arbitré. Giles, ah, bonne intervention, interception de Six. Six qui attend qu'un partenaire arrive, mais qui centre trop lentement. Il aurait dû profiter de l'avantage de son interception, Didier, là. Oui, mais enfin, il y avait 7 Irlandais pour 3 Français, alors. Ça faisait beaucoup de monde, il aurait peut-être pu tenter sa chance tout seul. Une faute de Bossis, là. De toute façon, l'arbitre a sifflé. Et l'arbitre a sorti aussi un carton jaune, me semble-t-il, pour Lacombe. Lacombe qui se promet un très bon moment lorsqu'il ira jouer à Dublin d'ici une petite année, au mois de mars très exactement. Oui, mais enfin, il prend beaucoup de coups aussi. Il est rang. C'est pas très bien, mais voulez-vous. Ça s'est déroulé hors de l'action. Ça faisait un bout de temps qu'il se frottait avec les défenseurs irlandais. Qui a tapé le premier? De toute façon, on n'a pas à se faire justice soi-même, c'est entendu. En tout cas, Lacombe a eu droit au carton jaune de Monsieur Maximovic. Et au regard ô combien haineux de ses adversaires irlandais. Par contre, Monsieur Irlandais. Maximovic demande aux soigneurs irlandais d'aller faire son petit travail sur la touche, ce qui est tout à fait normal. Cet après-midi, à l'occasion du match dont vous parlez, Bernard, tout à l'heure, entre l'Italie et l'Angleterre, que les Italiens ont gagné par 2-0, eh bien, nous avons assisté pendant toute la deuxième mi-temps à des soins donnés sur la pelouse. Il y a eu au moins une dizaine de minutes d'arrêt de jeu parce que l'arbitre israélien, M. Klein, ne faisait pas sortir les joueurs qui se disaient touchés. Oui, mais M. Maximovic, lui, a bien des problèmes pour faire sortir celui-là qui a l'air très sérieusement touché. Là, on demande la civière. C'est malheureux que l'Irlandais, dont je n'ai pas vu le numéro, soit sérieusement touché. Et cela dénote en tout cas que l'équipe de France n'est pas dans un bon soir. C'est absolument indiscutable. Les Irlandais qui vont procéder à un changement de joueur et qui vont faire rentrer, donc juste avant la mi-temps, leur numéro 15, qui a encore un nom bien irlandais puisqu'il s'appelle Walsh. Bien sonné l'Irlandais. Non, il ne faut pas siffler en aucun cas. Je crois qu'il s'agit du numéro 5, O'Leary, qui est donc remplacé par le numéro 15, ou qui va être remplacé par le numéro 15, Walsh. Pour l'instant, il n'a pas été remplacé. On le soigne sur la touche. Allons-y. Mulligan. Lopez. Espérons que cet incident ne va pas mettre le feu aux poudres. Tir de Lacombe au-dessus. C'est la première action vraiment dangereuse là des Français. Lacombe qui a montré à sa manière qu'il était quand même un bon footballeur avant tout. Il n'a peut-être pas osé quand même entrer dans les 18 mètres là, comme il pouvait le faire. Et O'Leary, le numéro 5, qui effectue donc sa rentrée après avoir été soigné sur la touche. Et un avertissement à Kearns, le gardien, pour avoir trop tardé à dégager. Avertissement, ça c'est extrêmement rare, au gardien de but irlandais Kearns, pour avoir trop tardé à dégager. Avertissement donc à Lacombe pour brutalité et à Kearns pour anti-jeu. Voilà qui va animer la rencontre. O'Leary, Brady,
Brady. Tir contré par Trésor. Platini. Bien joué. Platini, remarquablement fait tout ça. Donne à Bossis. Bossis. Mulligan. Ah oui. Coup franc pour hurlement et carton jaune également pour le numéro 5, O'Leary. Les joueurs s'énervent là, des deux côtés. On s'énerve du côté irlandais, c'est le moins que l'on puisse dire. O'Leary est allé dire son fait à Monsieur Maximovic. Monsieur Maximovic, qui comprend l'anglais, lui a fait « Beau jeune homme, voilà qui ne se dit pas ». Et coup franc en faveur de l'équipe de France et carton jaune pour O'Leary qui a persisté et signé, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors il y a un événement, ce n'est pas Platini qui va tirer ce coup franc, mais Six. Ah, un coup de tête bien joué de Platini au deuxième poteau. Les Français qui s'animent et qui s'énervent avec tous ces incidents avant la mi-temps. Une mi-temps qui ne saurait tarder et que l'arbitre siffle à l'instant même sur la marque de 0 à 0. Mais une fin de première mi-temps houleuse. Nous nous retrouvons dans un petit quart d'heure pour la deuxième mi-temps. Ici, le Parc des Princes. À vous, Cognac Jet. Espérons, Jean-Marie Cavada, que cette deuxième mi-temps sera plus flatteuse pour nos couleurs que ne l'a été la première, car vous comme nous, vous n'avez pas retrouvé cette équipe de France, cette spontanéité, cette fraîcheur qu'elle avait à Sofia, mais espérons qu'elle s'est réservée pour la deuxième partie de ce match de Coupe du Monde, car il serait vraiment extrêmement navrant qu'elle ne réussisse pas à s'imposer. Et il faut bien le reconnaître qu'en première mi-temps, elle n'en a pas pris le chemin. Les Irlandais ayant même dominé, si on peut dire, la première mi-temps, à l'issue de laquelle, si l'on assistait à un combat de boxe, il mènerait au point. La partie est maintenant reprise. Et inutile de dire que les Irlandais vont s'efforcer de conserver un résultat qui est extrêmement satisfaisant pour eux, du moins pour l'instant. Mulligan. Stapleton, Marius Trésor, Kérusoré, Lopez. Jean Vion. Oui, une faute de Giles sur Lacombe. Ah, voilà qui peut nous valoir un bon coup franc. Vous savez de qui ? Surveiller les actions sur la combe, l'arbitre, là, parce que après les petits ennuis entre la combe et les défenseurs, ils pensaient que les Irlandais voudraient se venger. C'est Giles qui s'est vengé. Il faudrait que le mur recule un petit peu. Hey, vicieux avec ça, hein, Platini ? Il regardait de l'autre côté comme pour donner une petite passe et en fait, il a tiré au but, une vraie pichenette. Ah, il fait ce qu'il veut sur ses ballons arrêtés. On le revoit au ralenti. Ballon qui est très dangereux car il tape d'abord le sol, vous voyez. Allez les Bleus, comme le souhaitait Michel Hidalgo, et un corner de Dominique Rocheteau. Jean Vion. Mulligan. Holmes. O'Leary. Brady. Martin. Giles. Dépossédé du ballon pour Platini, peut-être le but. Oui ! Une faute de Giles et un but réussi par Platini, qui n'a pas laissé passer l'occasion. Regardez. Regardez bien. Et Giles qui reprend cette balle, bien fauché par Six. Platini qui se précipite. Et
qui va laisser aucune chance. Il prend son temps, place bien son ballon à ras du poteau. Et c'est le premier but. Un but heureux, un but qui n'est pas construit, mais un but qui vaut cher. Ah, un but qui vaut très cher. On peut dire que les Français ne sont pas malheureux, Bernard, car sur la physionomie de la partie, ils ne méritent pas de mener à la marque. Mais enfin, il n'y a que le résultat qui compte dans les parties de football, vous le savez. On dit souvent que Giles utilise 90% des ballons, qu'il ne perd pratiquement aucun ballon. Mais là, le ballon qu'il a perdu, il coûte cher à l'Irlande, qui va devoir attaquer maintenant beaucoup plus. Et cela va décontracter très certainement les Français. Oh là, Rocheteau. Ah, une vilaine faute de Holmes sur Rocheteau, juste devant nous. Et un coup franc de M. Maximovic. Ah, Platini, c'est vraiment monsieur un but par match. Il a 4 sélections, il a marqué 4 buts. 3 sur coup franc. Oui, je crois qu'il est content d'en avoir marqué un comme celui-là, non pas sur coup franc. Parce qu'il avait peur un petit peu que l'on lui donne une étiquette de marqueur de but sur coup franc. Holmes fait la remise en jeu. Faute sur Highway. Highway et Janvion qui n'iront certainement pas en vacances ensemble, bien qu'ils soient très proches l'un de l'autre sur ce terrain. O'Leary. Mulligan. Daly, O'Leary, Mulligan, aux prises avec Six, O'Leary, Holmes, hors-jeu de Stapleton. Bien montée la défense française. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas eu de changement naturellement à la mi-temps. On pouvait penser que Hidalgo ferait peut-être entrer Jacques Santini, comme il l'avait dit avant le match. Mais finalement, pour l'instant, ce sont les 11 mêmes Français qui jouent à cette deuxième mi-temps. Et les Français mènent encore une fois 1-0, un but de Platini. Un cadeau irlandais. But de Platini marqué dès la deuxième minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire la 47e minute. Faute de Highway. L'arbitre laisse l'avantage aux Français. Rocheteau qui repique au centre. Donne à Janvion, contré par le dos de Giles, Janvion toujours, Rocheteau, corner. Obtenu par Rocheteau et concédé par Holmes, comme on pouvait le penser, le but réussi par Michel Platini, évidemment, a un petit peu décontracté une équipe de France qui était particulièrement noué depuis le début de cette partie. Rocheteau. Oh là ! La reprise de volée de Lacombe manquée. Platini, Janvion, Trésor. Et but de Trésor ! Non ! Refusé par l'arbitre qui indique que Trésor a contrôlé le ballon de la main. Je crois qu'il faut revoir cette action. Regardez. Platini. Lacombe. Ah, c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Je crois plutôt que c'est la poitrine. Mais enfin, M. Maximovic, là, refuse le but marqué par Trésor. C'est dommage car l'action du capitaine de l'équipe de France était tout à fait remarquable. Dégagement de la tête de Bossis. Le match s'anime incontestablement en deuxième mi-temps. Rocheteau, Kérusoré, renverse là-bas pour Six. Battenay dans les 16 mètres, dégagement Martin. Tir de Six. Oh, un tir d'une violence inouïe du pied gauche de Six et un arrêt difficile de Kearns. Pour suivre les ballons. C'est comme ça que Lacombe avait marqué le deuxième but français à Sofia en suivant un tir de Battenay. Mais là, Rocheteau était bien loin pour reprendre ce ballon. Une équipe de France qui joue beaucoup mieux maintenant, c'est certain. Daly, O'Leary, Brady. Holmes monte à l'attaque, le numéro 3 poursuivi par Rocheteau. Attention, un ballon sur la droite là-bas, Givens.
Givens aux prises avec Platini. Et c'est Platini qui part balle au pied. Une balle en profondeur pour Six. Martin sur ce ballon pour l'Irlande. En touche. Touche irlandaise, car c'est... En touche. Touche irlandaise, car c'est Six qui, le dernier, a touché le ballon. Je vous rappelle que dans ce groupe de Coupe du Monde où il y a la Bulgarie et la France et l'Irlande du Sud, l'air donc, de toute façon, il n'y a pas de goal à verrage si deux équipes se trouvent à égalité à la première place à la fin de l'année prochaine, quand tous les matchs auront été joués. Il y aura un match d'appui, mais le goal à verrage ne joue pas. On peut donc gagner un match par 1-0 ou par 5-0. Le résultat est exactement le même. Daly a donné derrière lui à O'Leary. Mulligan, Daly. Et le public que l'on n'avait pas beaucoup entendu, il faut bien le dire, mais enfin, qui avait continué à encourager hors-jeu. Hors-jeu de Daly. Le public qui avait continué à encourager l'équipe de France l'encourage plus fort maintenant, évidemment, à partir du moment où elle mène au tableau d'affichage. Bossis, Platini, Kerusoré, Six, ah non, perd le ballon pour Brady, bien joué, Batner revenu, Trésor, Six, fin de corps, mais qui a aussi trompé la combe. Daly en profondeur pour Highway. Et ils suivent les ballons, les Irlandais, il faut s'en méfier. Stapleton était sur Baratelli. Battenay. Alors que les Irlandais font échauffer un joueur encore en survêtement pour l'instant. Kerusoré. Bien fait en pleine course, c'est bien fait. Six toujours, renverse là-bas, Lacombe doit courir après ce ballon. Lacombe en face de lui, Daly. Battenay. Chercher Platini, Rocheteau. Ils sont deux sur lui. Donne derrière à Platini. Là, ils sont trois sur lui. Corner. C'est un peu ce qu'il cherchait, je crois. Ouais, il ne pouvait pas espérer grand-chose de mieux, je crois, Bernard, hein, car ils étaient trois sur lui, là. Mais enfin, ce Platini, c'est quelque chose. Il fait toujours un très bon usage des ballons. Centre ici sur la tête de Lopez. Et belle sortie de Kearns dans les pieds de Lacombe, qui cette fois-ci avait suivi. Lopez était monté et Lacombe avait suivi. Mulligan, Martin, Brady, numéro 6, très dangereux ce Brady. Aux prises avec Batney, il passe quand même, Brady va tirer du pied gauche et un coup de tête, égalisation, très belle égalisation, mais hors jeu signalé. Voilà, sur ce centre de Brady, nous allons revoir. Voilà Brady qui évite Batney. Le tacle de Batney, Brady qui va entrer dans les 18 mètres. On ne voit pas voilà, le vert devant derrière. Lopez, un centre. Eh oui, bien sûr, on ne voit pas au départ de la balle. Oui. C'est pas évident, enfin l'arbitre. C'est pas évident touche. Du tout, non. C'est comme le but de Trésor tout à l'heure. Le juge de touche était mieux placé que nous. Là, sur cette image, on ne peut absolument pas voir car on ne voit pas la position de l'Irlandais au moment où le ballon a été frappé. Par contre, ce qu'on peut dire, Bernard, c'est que les Irlandais qui ne se sont pas privés de rouspéter depuis le début de la partie, là, n'ont absolument pas rouspété. Alors, ceci explique peut-être cela. Mais enfin, c'est loin d'être limpide. Platini, Rocheteau. Rocheteau, Platini, qui a voulu redonner à Rocheteau.
et un coup de sifflet de l'arbitre qui pénalise Platini qui s'est aidé un peu du coude. Oui, ouais, Platini qui a joué des bras, qui a joué les moulins avant, car il avait vu que Rocheteau s'était mis en position de hors-jeu. Holmes, Martin, Giles a donné là-bas sur la droite à son arrière-droit, Mulligan, O'Leary, Martin, Brady, demi-offensif, Martin, Highway. Faut pas lui laisser du champ, Highway. Martin, Lacombe est venu en défense, Brady. Sur la gauche, Highway, qui marque des buts pour Liverpool. Ah, un peu fort le centre, c'est l'inconvénient lorsqu'on est dans les 16 mètres. On a tendance toujours à centrer un peu fort. C'est ce qui est arrivé à Steve Highway, qui a envoyé la balle, ballon directement en touche. Voici, ça fait la remise en jeu. Ballon irlandais, Daly, Giles, Brady. Oh, ils se battront jusqu'au bout, les Irlandais, n'en doutez pas. Highway. Ballon irlandais. Holmes. Oh, bien revenu Lacombe. Et c'est lui qui concède le corner. Lacombe qui était là en défense. Et heureusement, car l'arrière-gauche, Holmes, était passé. Le corner joué entre Highway et Giles. Daly. Hors-jeu, signalé. Ah, c'est bien ça, la défense française l'avait bien fait à Sofia. Elle était bien montée sur ces coups-là et là encore, elle vient de bien se dégager. C'est Lopez qui dirige la manœuvre. Il faut dire qu'il a l'habitude avec Saint-Etienne de jouer ce coup-là qui avait très très bien réussi à Eindhoven. Il ne faut oublier que ces Irlandais ont quand même fait match nul à Wembley avec les Anglais. Même si les Anglais n'ont pas la grande équipe, et cela s'est vu cet après-midi encore une fois contre l'Italie. Faire match nul à Wembley contre eux, c'est difficile. Ils ont battu l'URSS 3-0, ces Anglais, ces Irlandais, en Coupe d'Europe des Nations. Ils ont gagné au Chili. C'est pas une mauvaise équipe. Et elle le prouve du reste ce soir. Bossis. Trésor. Kérusoré. 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 Bien joué. Six va pouvoir centrer. Tête de Rocheteau. À côté. Ballon qui ne sort même pas du reste. Alors que Rouillet est parti s'échauffer là-bas derrière les buts de Baratelli. Ouais, les Irlandais, ils en avaient un qui s'échauffait aussi. Il s'échauffe toujours. Il a enlevé son bas de survêtement. Mais toujours pas le haut, ce qui fait que nous ne pouvons pas vous dire quel est son numéro. Martin. Brady. O'Leary. Qui était touché à la fin de la première mi-temps dans un choc avec Lacombe. Ah oui, Mulligan. Lui touché dans un choc avec Six. Mulligan qui se relève péniblement. Je ne crois pas me tromper, Bernard, en disant qu'à l'issue du match, les Irlandais parleront de l'arbitre, M. Maximovic. Attention à Daly. C'était limite encore. Sorti de Trésor et de Baratelli. Daly avait frappé, mais à côté. Corner concédé par le tandem Trésor-Baratelli. Et c'est le numéro 14 irlandais. Alors que les Irlandais jouent le coup franc, le corner avec Giles. Dégagement de Jean Vion. Et hors jeu. Le sifflet de M. Maximovic. Le 14 qui n'est autre que Conroy. Conroy qui va effectuer sa rentrée à la place du numéro 7, m'a-t-il semblé voir. Daly. Non, c'est Stapleton, je crois. 7 ou 8.
Oui, c'est le numéro 8, Stapleton, exact, Bernard, qui est sorti et qui est remplacé donc par le numéro 14, Conroy. Battenet. Alors que l'on joue la 19e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire la 64e minute depuis le début de la partie. Et que les Irlandais appuient un peu sur l'accélérateur. Là, les Français ont eu un bon début de deuxième mi-temps grâce au but et les minutes qu'on subit ont été excellentes. Mais maintenant, disons que nous assistons à un festival irlandais. Peut-être cette contre-attaque de Six, là, non. Bruit de vitesse. Platini lui avait donné un bon ballon, là. Ouais, manquait un peu de démarrage. Six et Aurélie étaient plus rapides que lui. Giles. Martin. Givens. Giles. Hors jeu. Signalé par le juge de touche. Giles pas content qui proteste. Oui, poussé dans le dos par Mulligan, Didier Six. Ça, c'est un coup franc stupide car il n'avait pas besoin de le faire, Mulligan. Kérusoré a joué très rapidement le coup franc avec Bossis. Battenet. Bossis qui est là en soutien d'attaque sur la gauche. Six. Dépossédé du ballon. Platini. Trésor. Kérusoré. Platini. Pour Battenet, bien vu. Battenet sur son pied gauche. Trésor. Kérusoré. Ah, trop fort pour Lacombe, c'est dommage. Lacombe qui centre sur le but. C'est dommage, la balle qui lui était destinée était un peu forte. Une bonne action en tout cas des Français là. Que nous voyons ralenti, la passe à Lacombe un peu forte. S'il l'a dans les pieds, ça pouvait être dangereux. Ça peut être une balle de but ça, Bernard, s'il l'a dans les pieds. Oui. Donc bien manœuvré là, c'est un très bon mouvement. Manquait peut-être un peu de rapidité aussi, mais bien conçu. Holmes a monté le ballon pour les Irlandais. Brady, pour moi le meilleur de son équipe ce soir. Bien joué encore là. Conroy, le nouveau venu du pied gauche. Et à côté, un coup de tête anglais. Et un Givens pas content du tout. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Je veux du silence, dit l'arbitre. C'est vrai que ça nous promet un match retour assez musclé, ça. Oh. Là, on va avoir un bon arbitre aussi, à Dublin. Ouais, là, Six s'est baissé. L'autre s'est appuyé. C'est toujours l'éternel problème. C'était ce dont je vous parlais tout à l'heure en première mi-temps. Brady. Martin pour Daly là-bas en position d'ailier droit, numéro 7. Face à Rocheteau. Martin. Tir de Giles. Oh, bel arrêt, Baratelli. Ah oui, bel arrêt de Giles. C'est sur sa droite, mais c'est un bel arrêt. Nous allons le revoir, voilà. La balle pour Giles. Et du pied droit tout de suite. Et il faut y aller. La chercher. Ouais, ouais. O'Leary. Holmes. Giles. Holmes. Highway. Dépossédé du ballon, Battenet, Platini, Lacombe, ah non, il était là, Giles, ballon mal contrôlé par les Français, mais récupéré là-bas par Kérusoré, Platini, Rocheteau, ah, une faute. Ah, c'est dommage, il s'était bien ouvert le chemin des buts. Hein. Oui, mais là encore, c'est le coup franc, il est pas mal, ouais. Il est bien, il est même très bien placé. On rappelle quelque chose, ça. Sofia, c'était comme ça. Ouais. C'est mieux placé que face au Danemark.
Qu'est-ce qu'on fait, Bernard? On prend des petits en dehors, là. Ah, il est à bonne distance. Lacombe est allé lui raconter un petit quelque chose. Ah non, le mur. Le mur était grand. Oui. Le mur était irlandais. On va grandir les pantins là, avec lesquels ils s'entraînent. C'est reparti pour les Français. Lopez a un peu fort pour Rocheteau. Ballon pas sorti. Et corner. Vous pouvez constater que Dominique Rocheteau, pour lequel on avait eu des craintes après son opération, revient bien. Rocheteau qui tire ce coup franc. Tête ratée. Tête de Lacombe sur ce corner de Rocheteau, mais complètement manqué. Un coup d'œil sur le chrono. 24 minutes. Encore 21. Givens, Daly. Giles, Mulligan, Trésor, O'Leary. Martin, hors-jeu. Ah oui, ça c'était clair et net. Il n'avait pas eu le temps de remonter, O'Leary, il était bel et bien hors-jeu. Rocheteau, Platini, Battenet, Rocheteau. Ah, c'est dommage. C'était pas mal fait non plus, ça, il manque pas grand-chose. C'est mieux, beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Giles, intervention Trésor. Il se gêne, Kérusoré et Platini. Platini a récupéré la main-d'œuvre. Encore Platini. Tous les... Oh là là là, qu'est-ce qu'il fait? Kérusoré. Bien fait, qui va pouvoir centrer. Giles. Brady. Giles. Attention à ces contre-attaques. Donc le milieu de terrain français est dégarni encore une fois. Holmes. Brady. Ah, ils sont deux contre un. Là, il y avait Janvier tout seul. Eh non, Trossard, Baratelli, ce centre de Brady. Sans aucun danger. Vraiment un deuxième but pour nous libérer complètement. Alors que Rouillet va faire son entrée. Platini. Kérusoré. Platini. Kérusoré. Kérusoré. Rocheteau. Va pouvoir tirer Rocheteau. Ballon. Ah, c'est dommage. Ah, il arrête la balle. Ah là 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 là. Il lui a enlevé. Il lui enlève la balle de deuxième but. Tiens. Ah, quel malheur, Lacombe. Regardez Rocheteau, il décide, il ne peut pas tirer. Finalement, la balle, là sur la gauche, Battenet arrive, il est sur son pied gauche et Lacombe lui enlève. Ah, quel malheur, ça c'est dommage. Rouillet va donc faire son entrée. À la place de Lacombe. À la place de Lacombe. C'est-à-dire que Rocheteau va très certainement passer avant-centre, c'est une formule... Hidalgo avait essayé lors du match d'entraînement contre Paris Saint-Germain. Rouillet, donc le petit Nancéen qui avait fait une entrée très remarquée à Sofia. Eh non, il vient tout de suite en position d'avant-centre. Ouais. C'est peut-être lui donc qui va opérer en position de centre avant. Hidalgo compte très certainement sur la vitesse de son démarrage pour perturber quelque peu la défense centrale irlandaise. Battenet, Bossis, directement dans les pieds de Daly, mais c'était une balle difficile à capter. Balle aérienne. Brady, 30 mètres du but de Baratelli, se heurte à Battenet et premier ballon de Rouillet.
la rouille, comme on dit à Nancy. Platini, Bâtonnet. Oh là là, la belle faute. Ah, celui-là, il est juste en face, alors. Un peu loin, quand même. Un peu loin, peut-être, oui. Faut vraiment pas laisser traîner les chevilles avec ces garçons. Mulligan, qui vient se placer. Ils sont tous là, ils sont tous revenus en défense, les Irlandais. Sans exception, ils sont tous dans leurs 16 mètres ou à la limite. Ceux qui font le mur et ceux qui s'en sont détachés. Platini. Bien. Ah, là, là, à côté. Ah, il le touche, hein. Il le touche, ce Kearns. Regardez. Hey. Hey. Du bout des doigts. Le corner a été joué pendant ce temps. Rocheteau. Arrouillé. Jean Vion qui était là. Mais O'Leary, sans ménagement, l'a chargé à la régulière, il faut bien le dire. Platini pour Bâtonnet. Ça pousse du côté français en ce moment. Bâtonnet dans les 16 mètres. Du pied gauche, tire à ras de terre. Oh, Kearns encore. Oh, ça joue beaucoup mieux. Ils s'accélèrent, ils sont sur les ballons. Et la défense irlandaise souffre. Holmes. Giles. Giles renverse le jeu là-bas pour Daly. Il a démarqué Daly. Mulligan est venu en soutien, l'arrière. Bossis, bien joué Bossis. Remarquable, il avait été excellent à Sofia. Il confirme donc ce soir. Trésor. À Six, il a un peu trop attendu ce ballon. Trésor. Encore un quart d'heure, tout juste. Un quart d'heure, tout juste, avant la fin de cette partie. Et toujours un but à zéro. Ce but de Platini, marqué à la 47e minute de la partie, et pas sur coup franc. Highway. En tout cas, une meilleure deuxième mi-temps des Français, parce que la première avait été assez faible. Je dirais que quand vous menez un zéro, vous pouvez jouer quand même plus décontracté. Martin. Holmes. Lopez, dans son style. Ah, il est bon sur l'homme. Oh là là, c'est certainement un des meilleurs en Europe, sinon le meilleur. O'Leary, Giles, Mulligan. Kérusoré. Bonne deuxième mi-temps de Kérusoré en tout cas. Ah, il a débuté dans un match difficile, hein. C'était ses débuts d'internationaux. Encore au sol, Kérusoré s'est heurté à Giles puis à Brady. Holmes. Ah non, mauvaise passe. Mauvaise passe de Holmes à Highway. Jean Vion. Brady. Faute de Bâtonnet, oui, exact. Faute de Bâtonnet sur Brady. Giles. Et Brady sont là. Giles, finalement. Highway, dégagement, Marius Trésor. Mulligan. Hors-jeu. Eh oui, c'est au départ du ballon. Allez, la contre-attaque française avec Six. Six pour Rouillet. Bien joué, ça, Six. Rouillet. Rouillet. Ah là là, bien fait. Bonne sortie de Kearns, le gardien. Et il n'a pas pu le dribbler parce qu'il était trop près du ballon. Il avait poussé trop son ballon, regardez. Et il évite un défenseur. Il part à la poursuite de ce ballon. Le gardien de but sort. Et là, il tire. Il était en pleine course, le dribble était difficile. Steve Highway. Face à Lopez. Et Platini. Qui envoie des longs ballons. Kearns est sorti de ses 16 mètres. Mulligan. Daly.
O'Leary. Hors jeu. Daly. Ah, ils comprennent pas grand chose les Irlandais là. Sur la manière dont les Français ont de jouer le hors jeu lorsque les Irlandais viennent en position d'attaquant. Et vous, moi je préférais que les Français marquent un deuxième but parce que souvenons-nous de ce dernier France-Irlande, ils avaient égalisé sur la fin. Ils ne s'avouent jamais vaincus ces Irlandais. Les Irlandais qui attaquent encore par ce Brady. Giles. Holmes. Oula, Conroy était là. Petite faute défensive de Rouillet là, mais qui était dans ses 16 mètres pour défendre. Platini, 2 contre 2, allons-y. Rocheteau, allons-y Platini maintenant. Six, ah c'est pas possible. Ah là 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 là, quelle occasion. Rocheteau, tir de Rouillet au-dessus. Oh là 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 là, mais comment peut-on gâcher des occasions pareilles? C'était 3 contre 2. Incroyable, dans un match international, c'est pas permis. Regardez, on la revoit cette action. Rocheteau réussit un bon dribble. Le deuxième est raté, mais Platini va pouvoir reprendre ce ballon. La balle est pour Six, absolument seul. Il n'y a plus qu'à la placer. Et le gardien la repousse. Ah, ça, c'est des occasions. Hein. Giles. Platini, parce que regardez, Jean Bion, Rocheteau encore. On va voir le tir de Rouillet. Voilà au-dessus. Je vais revenir maintenant, René Lucot, sur ce qui se passe sur le terrain. Parce que les Irlandais ne regardent pas le ralenti. Ils attaquent. Trésor, Lopez. Highway, pas en jeu cette fois-ci. Et un corner concédé par Jean Vion. Ça, si les Irlandais égalisent, eh bien, les Français l'auront cherché parce qu'ils ont eu vraiment deux occasions très très nettes pour creuser définitivement l'avantage. Ils ne l'ont pas fait. Il reste un petit peu moins de 10 minutes, 9 minutes. Giles. Et une faute de Givens et de Conroy sur Baratelli, chargé en l'air. O'Leary, oui, Mulligan. Six avait fait une faute. Six qui l'avait poussé un peu. Conroy dépossédé du ballon par Trésor. Kérusoré. Un ballon qui va trop loin pour Rocheteau. Ah, pourtant, ils ont des balles de contre-attaque, les Français. Dans la mesure où les Irlandais sont obligés de pousser pour essayer d'égaliser, les Français ont des balles de contre-attaque et ils n'en profitent pas. Martin, Brady. Brady. Ballon perdu par les Irlandais, Batney là-bas. Rocheteau, Platini. Une balle pour Kérusoré. Holmes. Holmes toujours. Giles. Martin. Daly. Givens, Giles, Brady, le ballon n'est pas sorti, Givens, Giles, Batney, et un hors-jeu signalé par le juge de touche là-bas. Un jeu qui doit être celui de Conroy, le nouveau venu.
vraiment mieux que les Irlandais soient déplacés les premiers, comme ça les Français sauront à quoi s'en tenir. Parce que j'ai l'impression qu'ils les avaient peut-être un peu sous-estimés, ces Irlandais. On parlait souvent des Bulgares, on disait le Bulgare sera l'ennemi des Français dans cette Coupe du Monde. Marqué Hidalgo parlait, lui, beaucoup des Irlandais. Hein. Mais il est certain que l'Irlandais brouillera les cartes dans ce groupe, c'est certain. Bonne profondeur pour Rouillet qui centre. Et encore une fois, Kearns, la balle était sortie, décrète le juge de touche. On notera que les Français auront marqué un but et sur une erreur de défense des Irlandais, et non pas sur une attaque construite. Ils auraient pu en marquer d'autres, mais ils ne les ont pas marqués. Trésor, poursuivi par Conroy, Batney, Rocheteau. Ah non, ça repart. Martin. Brady. Conroy. Mulligan. Conroy. O'Leary. Martin. Martin. Holmes. Allez, joueurs irlandais ne savent pas comment se dégager du pressing des Français là. Ils ont été obligés de revenir jusqu'à Kearns, leur gardien. Giles. Brady. 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 Dégagement Bossis. C'est toujours irlandais. Highway. Highway. Ah non, trop loin. Derrière le but. Il souffre Janvion avec Highway. Peut-être un avant-goût de ce qu'attend Saint-Etienne. Saint-Etienne pourrait tomber sur Liverpool en Coupe d'Europe. Eh oui, pourquoi pas. Rocheteau. Oh oui, intervention, pied en avant, exact. Du numéro 4, Martin. Il ne dit rien du reste. Lopez. Pour Platini. Sur l'aile droite, c'est peut-être dangereux. Centre au premier poteau. Aïe, Six, dommage. C'est bien joué. Maudit, bien joué, oui. Oui, il fait signe qu'il a été poussé dans le dos, mais enfin. On revoit cette action, Platini qui lève la tête pour voir où est placé Six, le trouve. Non, il n'a absolument pas été poussé dans le dos. Brady. Ils auront eu des occasions, deuxième mi-temps les Français. Martin, Mulligan. Rouillet en contre-attaque. Allez petit Rouillet. Bien joué, Six. Il a un culot terrible, ce Rouillet. Rocheteau, à droite pour Platini. Tir contré. Oh, ouais. Janvion. Ah non, cette fois-ci, c'est fini. Un corner ou une sortie de but. Sortie de but. Vraiment, ils sont souvent à 3 contre 2 et ils n'y arrivent pas. C'est désespéré. Encore 3 minutes avant la fin de ce match, c'est comme les matchs de Saint-Etienne. Moitié sur le terrain, on regarde, et moitié à la pendule. Platini. Batenay. Tir à terre, but. Le voilà, le but de Batenay. Un très joli but de Dominique Batenay. Marqué à la 87e minute, un but qu'il méritait. Ah, quel tir du pied gauche. Regardez, pourtant il avait sur sa gauche Six. Et il va prendre sa chance de 20 mètres, même plus, 22. Un boulet de canon et pourtant il est sur le chemin. Kearns n'a rien pu faire. Placé vraiment un but au cordeau, un très beau but de Batenay qui délivre tout le monde cette fois. Ah oui, vous voyez, tout à l'heure, là, il avait eu l'occasion de le marquer ce but.
Et là, on peut dire que la France a obtenu donc cette victoire de Coupe du Monde qui lui était nécessaire. Kérusoré attaque encore. Oh. Rouillet a voulu donner à Jean Vion. Giles. Et bien voilà les Français nantis de 3 points pour 2 matchs. Il leur reste encore à jouer l'Irlande en Irlande au mois de mars prochain et la Bulgarie à Paris à l'automne. C'est dire que le voyage vers l'Argentine pour la prochaine Coupe du Monde en 78 semble bien avancé. Enfin, il faudra aller à Dublin. Il faudra aussi jouer les Bulgares à Paris, mais enfin, il vaut mieux les jouer avec 3 points, les Irlandais là-bas, qu'avec un résultat étriqué ici. Jean Vion. Et il y aura des Irlande-Bulgarie intéressants à suivre également. Kérusoré. Chercher Rocheteau, Brady, Platini pour Rouillet, tir Rouillet, tir contré, Six, Kérusoré, les Français font feu de tout bois en fin de match et une belle balle, belle prise de balle de Kearns. Mulligan. On aurait aimé les voir flamboyants comme ça en première mi-temps. Hein, ouais. Alors, il y a peut-être une explication, peut-être était-il contracté par l'importance de ce match disputé devant la grande foule à Paris. Mais enfin, Baratelli. L'arbitre yougoslave regarde son chronomètre, monsieur Maximovic, Rocheteau. Vatenay, Lopez. Enfin, c'est déjà mieux que pour la dernière Coupe du Monde, puisque les Irlandais nous avaient pris 3 points sur 4. Là, on a un match, les Français viennent d'en prendre 2. C'est vrai, dans le groupe qui était celui de l'URSS et de l'Irlande, et dans ces conditions, il était impossible de se qualifier. Faute sur Rouillet, l'arbitre demande le ballon. Et siffle la fin du match qui se termine donc par la victoire de l'équipe de France 2-0. But réussi aux 47 et 87e minutes par Michel Platini et Dominique Vatenay. Un match dont le résultat est très important, vous vous en doutez, et qui s'est bien terminé pour les Français qui échangent leur maillot comme le veut la tradition avec les Irlandais. 3 points donc pour l'équipe de France en tête de son groupe en Coupe du Monde, pourvu que ça dure. Tout va bien pour l'instant. La décision se fera l'année prochaine en 1977. Ici, le Parc des Princes. À vous, Cognac Jet.